La musique, c'est traditionnel pour le réveil des astronautes dans les navettes américaines, mais ce matin, il a fallu vite se mettre au travail à bord de Columbia, alors que la journée devait être calme. La raison, une fuite d'eau provenant d'un déshumidificateur. En apesanteur, les gouttelettes d'eau volent et se nichent partout. Il a fallu, paraît-il, sortir les éponges et les torchons pour en venir à bout dans la navette. Bonsoir, le ski français attendait ça depuis 20 ans, une victoire dans une descente de Coupe du Monde. Elle est venue de Schladming en Autriche aujourd'hui, la victoire au bout des spatules de Franck Picard sur un parcours qui a valu à d'autres concurrents quelques belles gamelles. Stéphane de Vergy. Sur une piste du planat et correctement enneigée, rapide, pentue et technique, comme en témoigne la chute spectaculaire de l'Autrichien Michael Haas, une chute heureusement sans gravité, le Français Franck Picard, dossard numéro 10, a remporté une éclatante victoire en Coupe du Monde. Le champion olympique de super géant à Calgary fut le seul à négocier à la perfection dans la descente de Schladming en Autriche cette longue courbe à droite dans laquelle les favoris Zurbriggen, Wassmeyer et Maurer se sont égarés. Déçus, les Suisses et Autrichiens se sont plaints du tracé mis en place par l'entraîneur des descendeurs tricolores, Patrice Pelat-Finet, tiré au sort. Un tracé favorable, selon les leaders de la Coupe du Monde, aux Français. Peu importe, le skieur des saisies triomphe enfin en descente. Denis Rey, champion du monde junior en 80 dans cette spécialité, termine à la quatrième place. Le ski masculin français est relancé. Et autre satisfaction, la blessure au genou de Franck Picard, qui l'an passé l'a terriblement handicapé, n'est cette fois plus qu'un mauvais souvenir. L'affaire Pasqua-Seguin au RPR, explication aujourd'hui des deux hommes dans une conférence de presse, le cœur sur la main. Ils jurent, ce n'est pas à Chirac qu'on en veut, au contraire. En revanche, Alain Juppé, lui, est dans la ligne de mire. C'est surtout Charles Pasqua qui a parlé, expliquant sa démarche par un refus de voir le déclin de son parti. Alors, est-ce que le RPR va rester frileux? Est-ce qu'il va rester un mouvement gestionnaire? Est-ce qu'il va se contenter de continuer à gérer en quelque sorte son précaré, ou au contraire, retrouvant l'inspiration des grandes idées gaullistes, est-ce qu'il va être capable de se régénérer, de retrouvant à la fois son inspiration et par là même son audience dans les milieux populaires? C'est cela le débat que nous lançons. J'ai regretté la situation dans laquelle, précipitamment, on a placé Jacques Chirac. Nous avons les uns et les autres pour lui d'autres ambitions que de le voir faire campagne à l'intérieur du RPR pour la présidence, poste pour lequel, à ma connaissance, il n'y avait d'ailleurs aucun autre candidat. Et pendant ce temps, une bonne soixantaine de parlementaires RPR sont venus témoigner de leur fidélité à Jacques Chirac au siège de leur mouvement. Le Conseil constitutionnel rejette ce soir la loi organique sur le financement des campagnes électorales adoptée le 6 décembre dernier, adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, estiment les membres du Conseil. Dure journée pour Gorbatchev à Vilnius, capitale de la Lituanie, où le numéro 1 soviétique a entamé une visite de 3 jours. Il essaie de ramener tout le monde à la raison. Il parle de la grande famille soviétique, mais en face, on ne réclame qu'une chose, l'indépendance. Patricia Hervé. Premier bain de foule de Mikhail Gorbatchev en Lituanie. Mikhail Gorbatchev venu initialement pour tenter de ramener le parti communiste lituanien dans le giron de Moscou après sa déclaration d'indépendance le 20 décembre dernier. Mais la tâche du numéro 1 soviétique sera beaucoup plus lourde. C'est désormais tout un peuple qui revendique sa liberté. 80% des Lituaniens réclament l'indépendance de leur république. À peine arrivé toutefois, le chef du Kremlin relève le défi. Dans un débat improvisé, il s'adresse à la foule. 45 minutes de discussion durant lesquelles il reste ferme. Nous devons considérer notre opinion et votre opinion, mais il ne peut y avoir de liberté, déclare-t-il. Nous vivons ensemble depuis 50 ans. Le séparatisme peut conduire à la tragédie. Mais les Lituaniens sont déterminés. 300 000 d'entre eux.